Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. On va regoûter les aliments qu'on n'aime pas avec nos sœurs. Salut Leïa. Salut. Salut Kayla. Salut. Donc elles sont là aussi pour goûter les aliments qu'elles aiment pas. On a tous pas aimé un truc quand on était petit. Du coup là on a tous en tête les trucs qu'on déteste. Mais avec le temps peut-être que ça va changer hein. Peut-être que là on va goûter des trucs, ça va être incroyable. Bon là j'ai mon téléphone, la famille, c'est tout simplement parce que j'ai noté tout ce qu'on n'aime pas. Alors on a tout acheté, tout est là devant nous sur la table. On a 4 aliments chacun. Bon bah c'est parti hein, maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Kayla, combien de pouces bleus? 60 000 pouces bleus. Léa? 70 000. Ouf. Elles sont un petit peu, elles abusent un peu, non? Moi je pense que ça peut le faire. Au pire 100 000. Ouais au pire, vas-y, 1 million de pouces bleus la famille. Toujours plus. On compte sur vous. Sur ce, on vous laisse à la vidéo. Bon visionnage. C'est parti. Alors on commence dans l'ordre, on commence par Adem, Kayla, Bilal, Leïa, vous avez capté? On commence par moi parce que je suis le patron d'ici en fait. Non, en fait on commence par le plus gros mangeur. Je suis d'accord. Ah, parce que c'est moi la prochaine? Non, toi, parce que tu comptes pour du beurre de toute façon. Alors du coup Adem, on va te donner à manger. Premier produit, une asperge. Faut savoir qu'Adem il a un dégoût pour les trucs, les aliments un peu gluants. Bon allez. Qui aime ça? Bah moi ça va en fait. Bah moi en fait On va noter à mon avis sur 10 combien on aime ou on aime pas, ou si vraiment genre ça nous répugne au plus haut point. En gros plus c'est proche de 10, plus il aime. Plus c'est proche de 0, plus il déteste. C'est simple. D'ailleurs cette vidéo elle a été faite sur la chaîne de Johan Pabst. Du coup on a voulu la refaire parce qu'on s'est dit vas-y c'est stylé comme concept. Bon les amis, c'est le moment du verdict. Ça déjà, ça pue. Santé. Non il est dur, pour de vrai t'es dur. Ça sent le maïs, t'abuses à mort. Le maïs périmé alors. Bon regardez comment ça se présente la famille. On dirait un doigt, bismillah. Ah. Ah. Arrête. J'ai arrêté de crier, mon tympan. Mais mon c'est dégueulasse. Ah c'est dégueulasse. Oh, je peux pas avaler. Commencez à jouer le jeu. Je peux pas avaler. Est-ce que je peux dire ce que je pense? Vas-y. Après des années sans avoir mangé ça, ça reste toujours autant dégueulasse. Mais niveau goût en fait, il y a quelque chose. Ah t'es en DDR. Vas-y je goûte, on y va, bismillah. Ça me dégoûte. En fait ça donne pas envie d'avaler. Pour de vrai sont dans la bûche, je trouve ça super bon. Ah comment t'as pris ça dans les mains, ça me dégoûte. C'est visqueux, c'est... Mais c'est bon. C'est dégueulasse frère, 3 sur 10. Oh ça va, c'est dégueulasse, tu mets 3. On est des enfants, en vrai de vrai on aime beaucoup de choses, on mange beaucoup de choses. C'est juste que là il fallait choisir des trucs dégueulasses du coup. Dites-vous, on a eu du mal à trouver, franchement on a cherché dans les boissons, on a cherché dans les légumes. On mange quasiment tout ce que les gens mangent pas. Et du coup nous on aime trop. Prochain aliment. Perfect. Du coup là ce sera pour Kayla. Alors Kayla, qu'est-ce qu'elle aime pas elle? La betterave, vas-y gobe ça là. Bismillah. Wesh c'est quoi ce coup de pression? Doucement. Ah. Allez croque la balle. J'arrive pas les gars. Ah elle abuse. Bon t'arrêtes la vidéo, casse-toi. Bon on continue. Là c'est à mon tour du coup. Alors qu'est-ce que j'aime pas? Vas-y choisis hein. Il y a 4 aliments. Adem Alors Bilal, tu devras boire du lait de chèvre. Ok. Elle sème un peu là. Mon père il en avait acheté, j'en ai goûté, j'ai pas aimé. Même le lait de chameau c'est trop fort en fait. Lait de chamelle. Peut-être que maintenant ça a changé et je vais aimer. Après le fromage tu le manges? Que dans les pizzas chèvre miel. Après il a du mal avec tout ce qui est fromage très fort. Après Après Elle a mis, on peut dire là qu'il va manger mouloud. Ah ouais, on va boire son lait quoi, on va bouffer ça. C'est sa daronne. Que mouloud c'est un mal. Eh oh mouloud, on a ta daronne là, on va la boire. Vas-y. Ce que je venais de dire mais personne ne m'a écouté. Bon, les gars l'aiment pas, t'aimes bien? Je déteste. T'aimes bien? Dégueulasse. Bon bah en vrai vous auriez dû le mettre aussi dans vos aliments, c'est pour ça que vous allez tous goûter. Non mais en fait c'est parce que c'est pas de mes priorités de boire ça quoi. Ouais voilà. Mais moi mes aliments c'est vraiment les trucs que je déteste. Ouais bref ta gueule. Moi direct. Ah tu vois le goût il vient après, c'est ça le problème. Ah et il va puer de la gueule. Il y a un goût, il y a un arrière goût de mouloud. Oh. Ah je le ressens. On dirait t'as pris les mamelles de la chèvre, t'as fait comme ça. Ah. Au niveau de la senteur genre De l'odorat s'il te plaît. Ouais. C'est de l'odeur tout simplement. Bon Léa c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu vas prendre comme aliment? Pourquoi tu parles fort? Comme ça personne parle au-dessus de moi. Parce que c'est moi depuis tout à l'heure, je coupe la parole. Ok donc quand quelqu'un veut parler, bah y'en a un il s'exprime un petit peu plus fort que l'autre, ok? Ok c'est parti. Non mais toi aussi. Ah c'est moi qui parle. Je prends le dessus. J'ai dit c'est parti. Alors Kayla, ta gueule toi. Léa, tu vas boire du jus d'orange avec de la pulpe. Et si vous savez comme ça me répugne ce truc, j'aime pas, mais je peux le boire quand y a rien. Ouais bah là y a rien alors tu bois. Attends, vite fait wesh, c'est un manque de respect, j'ai même pas noté combien mon lait de chèvre sur 10 entre la barre de la jauge. Pour que tu puisses parler, faut parler plus fort que les autres. Ah oui c'est vrai.
Dégueulasse, c'est 0, hein, donc je lui mets un 4. Ça va, 4 sur 10 en termes de dégueulasse. Moi, franchement, en vrai, je m'attendais à pire. Je croyais que j'allais recracher et tout. Bref, du coup, son jus d'orange, il est où? Vers 4h30 quand je suis rentrée de l'école. Ouais, j'arrête de crier. Bah, j'avoue, parle tranquille. Ouais, bah quand je suis rentrée de l'école vers 16h30, et bah je voulais prendre le jus d'orange. Léa m'a dit, bah non, c'est de la crème anglaise. Juste pour pas que je le prenne, parce qu'on va faire la vidéo avec. Vas-y, appuie la merde, ton anecdote. Tout ça pour dire ça. C'est bon, je rigole. Ouais, ça pue la merde, son anecdote. La meuf, on la laisse parler déjà. Tu parles pour dire ça. Ça sert à quoi? Vas-y, non. Arrêtez là. Non, pardon. Je t'aime. Tu m'as oublié. Casse-toi. Bon, à goûte le jus d'orange. Ouais, bien vu la mise en scène. Ouais, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Moi, franchement, en plus, y'a rien qui me dérange dans un jus d'orange pressé avec la pulpe. On dirait, je sais pas, des trucs, c'est, on dirait c'est périmé, c'est remonté, y'a des grumeaux, genre ça me dégoûte. Zahma, on dirait des fois y'a des martiens dans ta gorge qui font ça. Ah, la tête de ma mère, c'est exactement ça. Zéro. Zéro, la tête, c'est pas bon, j'aime pas. Eh, vous m'écrasez, les amis, là. Eh, la famille, dites-nous aussi en commentaire s'il y a des choses qu'on n'aime pas, que vous aimez pas, vous aussi, ou si on n'a rien compris à la vie, et qu'en fait, vous kiffez presque tout ce qu'on a montré, là, déjà. Adem, frère, tu lui as fait mal. Tu lui as fait mal comment? Poignet. Regarde son poignet, déjà. Ah oui, elle est tombée en vélo, du coup, il lui a fait mal au poignet. Détruisez-le en commentaire. Ah, mais il a oublié, il faisait une tonne et il s'appuie sur son poignet. Allez, c'est pas grave. Arrête. Vous y passez tous. Donne, c'est à moi de te le faire en fait. Ferme ta gueule. Attends, voilà, prochain aliment. Mais ferme ta gueule, je parle encore. Parle plus fort. Prochain aliment. Ça fait 12 fois que tu le dis, prochain aliment. Oh, Adem, tu vas goûter du After Eight. Pour ceux qui savent pas, en fait c'est un chocolat fourré à la menthe. Donc dites-moi si il aime pas, il aime pas. Dites en commentaire si vous aimez bien les chocolats fourrés avec des fruits bizarres là. Il y a écrit menthe frappée. Qu'est-ce qu'on lui a fait à la menthe? On l'a frappé. Regardez comment ça se présente, hein, c'est du chocolat et dedans il y a de la menthe. Boubou veut du chocolat. Pour un mec qui aime pas le croc qu'il a tapé dans sa mère. Vas-y, fais goûter un peu. T'aimes bien, t'aimais pas quand t'étais petit? Je sais pas, en fait c'est bon. Non, mais en fait c'est une dégustation pour lui, il va tout aimer mon frère. Il est trop bon celui-là. Finalement, c'est super bon. Est-ce que vous aimez bien, vous, les chocolats mon chéri, ma chérie, là, je sais pas quoi? C'était dégueulasse. Perso, j'ai jamais mangé. Moi, j'en ai goûté un, j'ai arrêté. C'est dégueulasse à la base. Mais maintenant, aujourd'hui, je te le tape. Je lui mets 7 sur 10. Moi, je mets 2. Quand t'auras notre âge, tu vas aimer aussi, j'en suis sûr. Il va finir la tablette, c'est bon, mon frère. Non. Juste pour être sûr. Alors là, on va faire goûter à Kayla. Alors, il faut savoir que c'est des Pimps. Alors les Pimps, on kiffe, Léa elle adore, enfin je crois. J'aime trop ça, je les mange tous. Adem aussi? Moi je les savate. Eh la famille, c'est un des meilleurs gâteaux, franchement Pimps, vous êtes trop forts, vous avez pimpsé notre journée. Pimps, franchement, je comprends pas pourquoi il y en a plein qui aiment pas. Le mélange de chocolat et de fruits, je suis d'accord que parfois ça peut être dégueulasse. Pringles. Pimps. Là la vérité que c'est trop bon, franchement. Vas-y ta gueule mon frère. Ah j'ai envie de me pimpser dessus. C'était nul. T'aimes pas? C'est dégueulasse. Donc voilà, elle va aimer quand elle aura notre âge. Moi j'ai toujours aimé. Papa il en a acheté, il était en train de les taper avec son café, je voulais tester, genre oh ça donne trop envie. Tiens, prends-en un. C'est pas pour toi. Ni pour toi. C'est super bon. Ouais, y'a moyen pour la bouche des enfants, l'orange. C'est le goût d'oranger comme la fleur d'oranger, ça fait blanc. Pour le goût, moi je mettrais 3. Vas-y, tiens, tu veux le paquet? Ouais. Vas-y. En fait, moi c'est à l'orange, je préfère à la framboise. En fait, c'est mangeable, mais quand t'as vraiment faim, quoi. Mais attends, on fait que de se contredire. C'est vrai que Pimps, on n'a jamais acheté la marque déjà pour commencer. C'est juste pour la vidéo? Ouais, c'est pour la vidéo, sinon c'est tout le temps sous-marque et la sous-marque elle est meilleure. Donc y'a pas de placement de produit, Pimps, dégueulasse. Framboise, moi j'aime trop, hein. Sachez les gars qu'il y aura aucun gâchis. Donc tout ce qui n'a pas été mangé par nous sera mangé par quelqu'un d'autre. Soit Mouloud, soit les oiseaux, soit Adem. Non, tu lis pas. Ouais, je peux lire, non. Depuis tout à l'heure, je te bave dessus. Oui, depuis tout à l'heure, t'as pas remarqué. Désolé. Même là, tu m'as bavé, mais c'est pas grave. Alors, Bilal, je sais que tu détestes un truc déjà qui est de couleur toute noire qui se mange. Mon caca. Bon, Bilal, tu vas devoir manger du chocolat noir. Oh, 90% de cacao, t'es dans la merde. Eh, j'ai pris le pourcentage de cacao, cacaoté, quoi. Eh, frère, une fois, je descends et tout, je vois Kayla, Adem, Léa, ils mangent du chocolat noir normal, genre goûter. Moi, j'aime pas, genre, je me force, genre, j'essaye de me dire... Qui veut sentir le chocolat? Moi. Fais voir, fais voir. Ça sent trop bon, j'aime trop, moi, le chocolat noir.
Oh mais t'as vu. C'est bon, tais-toi, je goûte là. Là, c'est le moment bénédict, véridict. Ah, c'est aucune utilité, c'est un goût de rien, de cacao. Hey, hey. T'as m'énervé quand on fait ça. Toi, je me disais, tu joues à quoi? 0 sur 10, c'est immangeable, c'est amer de ouf. Ah, j'aime pas. Alors, Léa, tu vas manger... Ah, une crème aux œufs, la laitière. Bismillah. En fait, c'est pas la crème aux œufs en elle-même que j'aime pas, c'est les œufs en fait. Et je trouve qu'on le sent trop dans le crème aux œufs, ça me dégoûte. Mais regarde la gueule qu'il a, wesh, on dirait il est périmé. J'avoue que c'est moche, on dirait un cerveau à l'intérieur. Ça me dégoûte. Si t'en veux pas, je suis là. Hein. Perfect. Mais là, ça va être le caramel, donc il y a moyen que ça passe mieux. Réaction. T'as du chocolat ici. Je t'ai bavé dessus. Comme d'hab. On sent trop l'œuf. Allez, vas-y, un 5. Parce que c'est mangeable, mais on sent trop l'œuf. Mm. Non, moi j'aime trop ça, n'est-ce pas? Tu pues de la gueule. Oh, ah, vas-y, arrête, moi, pas de respect. Mais, fais voir, je goûte, ça fait longtemps la crème aux œufs. Attends, t'inquiète. Ça y est. Ça y est. Vous aimez vraiment beaucoup? C'est hyper bon, pour moi ça fait partie de l'un de mes meilleurs yaourts. Bah, moi aussi, je vais pas vous mentir. Eh, tous les soirs, il y en a un à table, voilà, je le mange. Bon, bah, elle est vraiment écœurée du crème aux œufs, la meuf, hein. En fait, c'est pas le crème aux œufs, c'est l'œuf, œuf brouillé, œuf à la coque, œuf je sais pas quoi. Eh, me parlez pas d'œuf, j'aime pas ça. Ok, c'est à mon tour, j'ai faim. Alors, Adem, là, tu vas manger. Du chou de Bruxelles. Ça vient de Bruxelles. Et c'est chou. Oh! Fais voir. C'est des égouts, là. Pourquoi ça sent comme ça? Là, y'a pas de ouais, t'es petit, c'est pas bon, plus tard, c'est toujours pas bon ça. Moi j'aime bien donc ça me dérange pas. Moi j'aime trop avec la mayonnaise. Bon, si je goûtais, c'est parti, regarde la... Ah, arrête d'abuser, mon ref. La vie de ma mère, c'est un goût de pète. Allez, chou de Bruxelles, 0. Adem, combien? 0. Moi je mets 8. On s'en fout. Mais arrêtez. En fait, j'essaye de te faire pleurer, comme ça tu pleures deux fois dans cette vidéo. Ma propre odeur, elle a failli me tuer. Perfect. Ah, à l'honneur, madame, des champignons de champigny de shampoing. Ah, ça pue. Ah non, franchement, ça sent la grillade. Ah non, c'est dégueulasse. Eh, on dirait des asticots. Vas-y, goûte. Allez, mâche, mâchouille. Vous pouvez dire en commentaire qui y croit à sa réaction. Voilà, à table, elle les mange pas, les champignons. Quand on a des pizzas et tout, nous on les dévore. Moi, ça va, j'aime bien, mais là, j'en veux pas, en fait. C'est pas un truc de ouf, tu vois, c'est pas... J'espère ce soir, maman, elle m'a fait des champignons. Qui va dire ça, sérieux? Mais en fait, la cantine à l'école, ils nous ont habitués à des champignons à l'eau, ils sont dégueulasses. Mais pas de la cantine, c'est des trucs surgelés, ça. En fait, le champignon, lui-même, il est pas bon. Mais l'arrière-goût, il est bon. C'était censé être l'inverse, mais ok, Kayla. Tu vas où? Pour tous ceux qui ont vu. J'ai mis ça. Adem, arrête, wesh, bien Kayla, bien. On rigole. Kayla, vas-y, décolle plus pas. J'ai réussi à la faire pleurer, Bilal, check ça. Est-ce que tu peux me dire, quand t'étais petit, il y avait un truc que tu buvais et t'aimais pas en fait? Ouais, ma pisse. Qu'est-ce qu'il raconte? Je rigole, le lait. Le candy up. Ah ouais. En fait, la famille, j'aime bien le candy up au chocolat, ça passe, mais à la fraise, il est dégueulasse. Ouais, et bah c'est celui-là. Eh, dites en commentaire, peut-être qu'il y en a, ils vont m'insulter. Déjà, est-ce que quelqu'un m'insulte ici? Ta gueule. Un vrai dinosaure. Moi, j'ai trop le seum d'être intolérante au lactose, sinon je les aurais tapés. Ah, Zahma, je suis allergique au lactose. J'aime pas les gens allergiques, genre moi j'aime pas, je suis allergique à la pomme de terre, aux œufs. Tu manges quoi en fait? Oh, tu manges quoi? Ah, peut-être que tu vas aimer aujourd'hui. Hein. Bah ça fait super longtemps, en vrai j'en ai pas bu. Parce que quand j'y ai chocolat, j'ai toujours aimé. Non, j'aime pas, je sais pas pourquoi ils ont fait ce goût là. Genre t'as soif, bon je vais prendre un petit candy up à la fraise, ça sert à rien. Vaut mieux prendre un coca bien frais chacun. Ça c'est les enfants, ils aiment bien ça en général. J'aime pas du tout. Vas-y, tiens, goûte. Non, je suis pas mal au ventre. 5 sur 10 quoi, j'en prendrai jamais. Eh, à part s'il y a une pandémie, il reste du candy up, pas le choix. Aussi, la face est tout fait. Perfect. Léa, est-ce que tu aimes les petits bateaux à la fraise? Franchement, les gâteaux chocolat fruits, ça me dérange pas. Mais alors ceux-là, j'arrive pas. Moi, je kiffe que ce soit à la fraise ou au chocolat. Non, moi, je préfère tout de suite au chocolat. Toi, Adem? Tout. Franchement, j'aime bien les fruits avec les gâteaux, mais ceux-là, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu veux lire? Parce que j'ai envie. Vas-y, tiens, lis. Elle veut bien montrer aux téléspectateurs qui nous regardent qu'à c'est lire. Ok, donc Adem, tu vas prendre de l'avocat. Ah, il aime pas. Laisse-moi le prendre. En fait, à la base, c'était un métier et ils ont dit, ouais, on va le mettre pour celui-là. Passe-le moi. Eh, écoutez, je suis avec un pote et tout. Je lui mets une patate, il tombe dans le coma et tout. Et là, les mecs, ils arrivent, ils me mettent en prison. Ils me disent, ouais, faut que tu me ramènes ton avocat. Du coup, je leur ramène ça. Il me dit, bon, allez, toi, direct en prison. Lève-toi, va ramener un couteau, c'est mieux. Je ramène le couteau. Bon, regardez l'avocat. Déjà, on dirait une grosse crotte de nez géante. Voilà, famille, c'est parti, je goûte. Bismillah.
Ah, ça me dégoûte le bruit. En fait, c'est pas si dégueulasse que ça. Combien sur 10 du coup? En vrai de vrai, 6,5. Oh bah ça va, t'es dans l'excès toi. T'as déjà mangé tes crottes de nez? Bah oui. ça me dégoûte. Alors là, pour Kayla, on a du persil. Je vais le chercher. Oh non! C'est dégueulasse. Alors là, j'ai ramené tout simplement en fait une branche d'arbre, je l'ai trouvée. Eh, normalement, ça sent bon ça. Maman m'a toujours dit que ça faisait pas puer de la gueule. C'est trop bon. 8 sur 10. Ah! Vas-y, Kayla! Mais vas-y, c'est dégueulasse! Vas-y, joue le jeu! J'ai goûté! Mâche bien! Mâche! Bon, elle aime vraiment pas. Je mets un 1! Mouloud! Tu fais des bêtises! Allez, dis bonjour aux abonnés, t'as 3 secondes. 1, 2, 3. Bouillon! Mouloud, il a chié partout là! Perfect! Dernier aliment pour Bilal, ça va être les yaourts en morceaux. Ah non, c'est dégueulasse! Tu vas choisir un goût que t'aimes pas en plus de ça. Bon, du coup, je vais prendre à l'abricot, je pense que c'est le plus dégueulasse. En fait, ça, c'est comme le principe du jus d'orange avec Léa qui aime pas les morceaux. Bah, moi, enfin, la pulpe, bah, moi, j'aime pas les morceaux dans un yaourt. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Mais wesh, j'aime tout dans cette vidéo en fait. On mange des aliments qu'Adem aime bien, mais les autres n'aiment pas. Bismillah. Bien vu, Bilal, c'était ma cuillère. Allez, on est frères, on partage tout. Arrête de faire ça! J'aimais pas avant, j'aime toujours pas. 4 sur 10, vraiment, j'aime pas. Je vais y aller. Non! T'as fait mettre un coup! Mais c'est quoi cette vidéo? Vous êtes tous bizarres! Tu fais quoi? Y'a la mort, elle est sortie comme ça. Regardez la famille, le pain d'épices, elle déteste ça. Donc vas-y, hein, explique-toi parce que moi et Adem et Kayla, on kiffe le pain d'épices. Mouloud! Regardez, regardez, arrête. Eh, moi je kiffe le pain d'épices le matin avec du beurre, avec du lait, franchement je kiffe trop. Adem, est-ce que t'aimes bien le pain d'épices toi? Le pain d'épices pour moi c'est la meilleure épice qui existe. Ça sent le tronc d'arbre. Du coup depuis le temps, t'aimes bien ou t'aimes pas? Non, j'arrive pas. Et toi? Ah. Y'a quoi qui te dérange? Moi j'aime bien ce goût ancien. Bah en fait c'est ça, c'est ce goût ancien, j'ai l'impression de manger, tu sais, la moisissure des maisons là. Ah, une ancienne porte. Regarde, Mouloud il a faim. Ah, mon cou. Eh, Mouloud, t'en veux? Mais du coup, j'aime pas, donc je vais donner la note de 3. Moi, je mets 1. Bon bah la famille, on arrive à la fin de cette vidéo, en espérant que ça vous a plu. Ça fait plaisir de vous avoir partagé ce qu'on déteste. Le Instagram de Léa et d'Adem et Bilal dans la description. Oh, t'as rien demandé, toi. Arrête. Oh, arrêtez. Et là, pas une troisième fois, ils veulent faire exprès là. Je fais à peu près de tout, honnêtement. Vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit en vêtements, en maquillage ou quoi que ce soit, je suis là, demandez-moi. Si vous voulez des dédicaces et vous voulez nous parler à nous, bah c'est le moment. Allez vous abonner au Instagram, on fait des stories. Quand on n'est pas sur YouTube, on est sur Instagram, la famille. Sur ce, la famille, partagez la chaîne. À vos amis et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Adem, Bilal, Kayla et Léa. Salam la famille. Vas-y, coupe ta grand-mère. Perfect.